Hello, hello. Comment ça va? J'ai oublié de prendre un courrier avec moi. Bah, c'est pas grave, je referai une petite vidéo après. J'ai reçu l'échange de mon groupe donc ce midi. Donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai juste déscotché parce que c'était super bien scotché. Donc voilà. Oh putain, deux petites secondes. En plus j'ai dit un gros mot. Chut, faut pas le dire, d'accord? Bref, donc j'ouvre avec vous. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, chaque chose par chaque chose. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli ça. Je surveille la porte. Parce que j'ai entendu ma fille monter. Donc, je surveille en même temps. Oh, c'est joli. Oui, c'est joli. Ah, j'adore. C'est trop mimi. Alors, ça fait une petite étoile comme ça, accrochée dans le sapin. Avec un petit crelou. Moi qui voulais faire des décors de fête sur la table. Je vais pouvoir. Oh, c'est rien joli. Oh, c'est magnifique. Donc, pareil, ça fait des petites. Voilà. Comme ceci. Donc, j'en ai plein. Voilà. Il y en a encore. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas où tu as eu les papiers, mais je trouve ça trop joli. Hop. Donc, je n'ai pas dit avec qui j'étais, peut-être. Avec Nathalie. Donc, Nathalie M. Vous l'aurez vu, vous me direz dans le titre. Et ce papier est magnifique aussi. Donc, elle a dû tout faire avec, mais j'adore l'idée. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, oula, une petite enveloppe. Et il y a des petits tamponnages qui dépassent. Alors, qu'avons-nous? Oh, oh j'adore. 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 Ah, trop fort. Ah, j'aime beaucoup. Oh, les gnomes. Mais pas les mêmes que moi. Voilà, des petits gnomes. J'adore. Donc, je remets tout dans la petite enveloppe. Toujours faite avec les papiers, à mon avis. Ils sont magnifiques, ces papiers. Pardon. Ils sont magnifiques, ces papiers. J'adore. Je ne sais pas où tu les as eus, mais j'adore. Donc, c'était pour l'échange Flipbook. Donc, on a le Flipbook. Mais je vois qu'il y a encore des petites choses. Donc, on va... Oh, c'est rien joli, ça. Oh, c'est rien joli, ça. Ah, j'adore. Je croyais que c'était du vrai, donc je sens, mais non, c'est pas du vrai, c'est du faux. Oh, j'adore, 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 j'adore. C'est magnifique. Je continue. Oh là! Mais alors, les papiers sont magnifiques. Hein. Les papiers sont magnifiques. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, on a des petits. Oh, puis c'est trop mignon. Ah, oh, c'est trop mignon. C'est tout petit. Alors, il y en a deux. Il y a celui-ci, voilà. Et quand on tourne, c'est vraiment des images, voilà. On a des petites images de Noël. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Je les mettrai peut-être sur ma table ce soir. Juste en décor, hein. On va pas les salir. Mais en décor, ça peut être super sympa. J'ai mal à ma jambe. Désolée, je me tourne. Voilà. Et donc, on a le deuxième, comme ceci, avec une tasse aussi. Mais j'adore. Alors, je ne sais pas où tu as eu ça. C'est génial. J'adore l'idée. J'adore l'idée. C'est magnifique. Oups, attendez. Hop, il y a un petit point de colle qui est resté ici. Voilà. Je l'ai enlevé. Et hop. C'est magnifique. J'adore. Alors, ici. Ouais, mais les papiers sont magnifiques. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est magnifique. On a. Oh. Oh, là, il y aurait bien eu du. J'ai perdu le mot, c'est pas grave. Noël gourmand, donc c'est la 3 sur 3. J'adore. Joyeux Noël. Oui, avec le bonhomme de pain d'épices. Noël gourmand, donc la 2 sur 3. Et donc on a toujours Noël gourmand, la 1 sur 3. Mais c'est magnifique. Alors ça, c'est en polystyrène, je dirais. Ça doit être des flocons que tu as fait toi-même avec de la pâte polystyrène. Et je ne retrouve plus le mot que je veux que tu as mis pour mettre le voyant. Ça me reviendra peut-être. Mais j'aime beaucoup. Donc, merci, 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 merci. Et on va ouvrir. Ah non, 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 non. Je pense que les gens pensent que je suis trop maigre. Oui. J'ai des gourmandises. Et je crois que moi, dans le mien, je n'en ai pas mis. Je suis bien. Nougat et calisson de Provence. Miel de lavande. En plus, j'adore le nougat. C'est un truc de... J'adore ça.
j'ai hâte de goûter. Donc je vous montre, voilà. Regardez-moi, c'est un paquet que de nougat. J'adore. J'adore. Avant le 10-10-2021. Oh, vous rassurez-vous. J'en aurais pu avoir. J'ai déjà des commandes à ma jumelle, j'ai théoriquement tout mangé. Et donc, un beau flip, comme ceci, donc, avec les superbes papiers, franchement. Là, je sais pas si c'est des attaches parisiennes. Non, ça a l'air d'être des boutons. Alors, comment je l'ouvre? J'ai peur d'abîmer. Non, ça y est, j'ai trouvé l'ouverture. Impeccable. Hop. Ah, c'est génial. J'adore. Château, j'adore. Alors, hop, voilà. Donc, hop, attention, j'ouvre. J'espère. Alors, ouais, je suis dans à l'envers. Donc, hop. Ça tombe. Non, non, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Hop, et ça s'ouvre ici. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ce joli flipbook. Alors, nous avons un superbe petit tag au vieil acacia fabriqué. De l'arc de triomphe. Je ne sais pas où tu as eu ces papiers, mais ils sont d'une beauté. Je les adore. Tu aurais dû les garder pour faire un mini-album, en vrai. Et faire autre chose avec du papier de chez Action pour moi, quoi. Donc, elle est partie sur une... Pour faire le flipbook, elle est partie d'une grande enveloppe craft. Excellente idée. J'ai peur d'être... Ah non, ça a abîmé mon papier. Oh, oh, une memory dex. Oh, j'adore. Du glossy accent. J'ai retrouvé le mot, parce qu'elle en a mis là aussi. J'ai retrouvé. Génial. J'adore la tasse au milieu, là. Elle est magnifique, la tasse. Donc, c'était dans une jolie enveloppe, comme ceci. Voilà. Toujours avec du super papier. Et du coup, elle a mis de la mousse 3D pour ouvrir et pour fermer, pardon. Et du coup, j'ai un peu arrêté le papier. Donc, je vais refermer comme ça. Ça ne se voit plus. Ensuite, j'ai... Oh. Ah, il y a le petit mot. Donc, je garde le petit mot pour l'instant. Et en fait, c'est des papiers cartes postales. Mais c'est génial. Alors, je ne sais pas si c'est imprimé ou si c'est vraiment un bloc que tu as acheté. Mais c'est magnifique. J'adore. Donc, voilà. Je pense... faire un mini avec ou quelque chose avec, parce que franchement c'est magnifique. Ça pourrait aller dans mon junk, parce que j'en ai déjà eu un de Noël, ou alors je les rajoute dedans. Faut que je regarde. Du coup, je lis le petit mot. Merci à toi aussi, passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, je garde les petits mots pour moi. Après, nous avons 25 décembre, Merry Christmas. Oh, une shaker. Oh, elle est magnifique. Oh, j'adore. Ah ouais. C'est magnifique. Oh, je sais pas ce que tu as mis dedans. On dirait des flocons faits en fimo. Tu me diras si je me trompe, mais je crois. Mais alors, tes papiers sont d'une beauté. Magnifique. Magnifique. Soleil, reviens. On voyait mieux tout à l'heure. Reviens. Oh, Léon. Redonne du soleil. Donc voilà, je ne vous ai pas montré, donc je vais enlever ce qu'il y a dedans pour vous montrer au moins la première page. Donc voilà, la première page avec des papiers magnifiques, j'adore. Donc là, il y avait la petite pochette où il y avait la memory dex. Ici, une jolie pochette où il y avait les cartes postales. Et donc là, je découvre à côté, waouh, c'est du papier calque, mais t'as dû imprimer, c'est pas possible. Donc, vu que papier calque avec une impression. Oh, magnifique. Deux petites secondes. Pas de réponse. Bref, et dans ça, il y avait une bannière comme ceci. J'adore. Je pose à côté. Il y avait ceci. C'est magnifique. Hein. Puis alors ça, pour mettre dans mes junk, c'est nickel. Et celui-ci. Voilà. Ensuite, on passe à côté. Alors là, je sais pas si je peux tirer. Ah non, c'est dedans. D'accord, on a un autre petit tag comme ceci. Pareil pour les junk, c'est génial. Oh là, j'en ai deux. Ah, ils sont magnifiques les papiers là. Donc on a celui-ci, hop, comme ceci. On a celui-ci, comme ceci. Donc là, j'ai fait, mais il me reste à découvrir. Oh, oh, oh. Ah, c'est superbe. Donc ça. Plein de tags pour mes junk, c'est trop bien. Je me referai un junk de Noël.
avec tout ça. Et donc, je vous montre comment c'est fait. Alors, attendez, parce que je vais vous montrer ça bien. Voilà, donc là, il y avait des tags, parce que c'est des petites pochettes. Voilà, des petites enveloppes, comme ceci. Qu'elle a glissé, en fait, on a ici. Voilà. Voilà, voilà. Je vais arrêter que j'oublie rien, parce que ce serait dommage. Mais j'adore les papiers. Là, ça fait super sympa avec la laine. C'est super sympa. Donc voilà pour le flipbook. Donc je peux réutiliser également, mais là je serais très embêtée parce que les papiers sont magnifiques. Donc il faut le réutiliser ou alors il faut que je trouve une solution pour le réutiliser sans cacher rien du tout. Ça va être délicat, mais je vais trouver. Donc je te remercie beaucoup, Nathalie. Vous aurez sûrement une autre petite vidéo, soit aujourd'hui, soit demain, parce que j'ai aussi reçu un autre courrier et il faut que je vous le présente. Voilà, je vous souhaite un joyeux réveillon. À bientôt. Ciao, 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 ciao.